Et salut à tous, c'est Ricola et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous présente The Sparkle Chew Evo. Ou Evo, ou je sais pas. Enfin bref, en tout cas, c'est un petit jeu sympathique, sincèrement. Autant qu'on se le dise d'entrée. Alors, hop, on va choisir celui-là, donc c'est ma partie, Ricola. Et donc voilà, ça c'est ma créature. Alors en fait, je ne sais toujours pas ce que c'est, ce que ça représente, ce qu'il faut faire exactement, je comprends rien. Alors, hop, la musique y est et tout, c'est bon. Alors on est parti, je vais vous montrer un niveau, peut-être pas celui-là. Celui-là, ouais, pourquoi pas. Allez, on est parti. Alors vous allez voir en fait, le but du jeu, c'est un peu comme, je sais pas si vous avez joué à sport. C'est en fait, on a vraiment une sorte de, je sais pas, c'est une petite bactérie ou un petit virus ou un truc comme ça. Et on doit se balader dans un univers un peu comme celui-ci et récupérer des sortes d'orbes en fait. Donc ça peut être rouge, ça symbolise, ouh là là, apprends à parler français. Ça symbolise le fait que le... ce qu'on dirige, putain j'arrive pas à poser de nom dessus, ma merde qui bouge est carnivore, le vert forcément herbivore, et le bleu c'est les deux. Alors je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est pas grave. Et du coup, en fonction de ce qu'on va manger le plus, la créature se transforme en fonction de deux. Donc voilà, et change de couleur aussi, donc là j'ai plus une créature herbivore que carnivore. Voilà. Alors je crois que chaque aussi personnage, enfin chaque personnage, chaque transformation apporte son lot aussi de soit d'attaque, soit de défense. Voilà, la créature change au fur et à mesure, quoi. Alors est-ce que j'arrive à choper le machin bleu? Mais je sais même pas ce que c'est des cristaux, si c'est de la bouffe, on sait rien, on sait rien. Donc c'est ça qui est génial, ou alors peut-être qu'on le sait, mais je comprends tellement bien l'anglais. Alors je sais pas si vous remarquez, mais dessous, on a des trucs. Donc encore tout un tas de merde. Et on se dit, comment on fait pour aller les chercher? En fait c'est très simple, vous avez un système pour descendre et monter, comme si vous étiez dans l'eau. Et je vais vous montrer ça de suite. Hop, on plonge. Voilà. Donc ça, voilà, c'est vraiment pas mal. On peut jouer sur ça. Pour passer sur les différents niveaux et c'est très sympathique. Alors là pour le moment vous ne le voyez pas, mais on va avoir aussi des ennemis à combattre au fur et à mesure. Et hop, ma créature qui change, parce que apparemment j'ai bouffé peut-être plus de trucs rouges. Donc ça aussi, elle a vraiment une gueule de merde, quoi. Je sais même pas ce que c'est, mais bon, en tout cas j'aimerais pas avoir ça du tout dans l'eau, quoi. Alors putain, ça aussi, il y a les petits bruits comme ça, vachement strident, quoi. Dong dong dong. À la fin de la soirée, vous avez la tronche, quoi, mais comme un ballon, quoi. Alors après, d'un autre côté, il y a la musique aussi qui est super zen. Elle détend. Et d'une force, mais voilà. Mais sinon, à part ça, le gameplay repose uniquement sur ça. C'est vraiment que de la récupération d'objets. Quand il y a des ennemis, on doit récupérer les objets qu'ils ont sur eux pour les tuer. Donc voilà, il n'y a rien d'exceptionnel. C'est vraiment un jeu de détente. Voilà, c'est on parcourt les niveaux, on réfléchit pas, on prend les trucs. Ah, j'ai ma queue qui a évolué. Wouh. Wouh. Donc voilà, il n'y a rien de plus. Mais je tenais quand même à faire la vidéo pour vous montrer à quel point n'empêche le jeu était quand même joli, quoi. Hop, non, c'est pas ça que je voulais faire, je voulais descendre encore. Voilà. Ah ben voilà, par exemple, ça c'est un ennemi. Aïe, avec son nuage, il me bloque. Il me bloque, il m'empêche d'aller plus vite. Enfoiré. Et du coup, voilà, si je le bouffe. Si. Ah putain. Voilà, là il m'a fait un dégât en somme. Voilà, si je leur bouffe les yeux. Je peux leur bouffer l'intérieur du corps. Et voilà, là j'ai tué un ennemi. Normalement lui aussi je peux lui bouffer l'intérieur du corps. Et voilà. Lui aussi il est dangereux. Celui qui avait en bas, je me suis trompé. Donc ça, ça se fait juste avec la molette de la souris, hein, basculer. Là je ne joue qu'avec la souris. Alors, hop, on va essayer. Et voilà, hop, il m'a fait un dégât. On va essayer de se le bouffer en entier. Donc voilà, là je récupère les orbes rouges qui sont dans son corps.
Et ensuite, tac sa tête et je l'ai tué. Voilà, on va essayer de se faire le deuxième aussi, au moins c'est fait. Comme ça, voilà, vous voyez vraiment les deux petits aspects du jeu. Alors après, sincèrement, je ne sais pas si il y a autre chose d'un peu plus complexe. À mon avis, sûrement, puisque les niveaux sont... je sais pas si on peut dire que c'est de plus en plus dur, mais en tout cas, voilà, au niveau des ennemis, je sais que cela avant n'apparaissait pas. Donc voilà, c'est vraiment au fur et à mesure. Donc à mon avis, il y a encore sûrement pas mal d'autres choses à découvrir. Mais en tout cas, voilà, le gameplay, je pense que j'ai tout vu, ne se résume qu'à ça. Voilà, c'est juste à récupérer des orbes dans un univers qui est vachement tranquille, plutôt calme. Donc voilà, c'est très très sympathique. Pareil, les couleurs utilisées, moi j'aime beaucoup la gueule que ça. C'est... Voilà, il y a vraiment quelque chose, quoi. Je vais pas y arriver à lui choper. À moi. Ah oh, putain, j'y crois pas. Là, il y a eu méga bug. Non, on descend. Hop. C'est... Putain, ça me fait penser à une sorte de virus, ou je sais pas quoi, une sorte de grosse bactérie se balade dans l'eau, enfin un truc bien dégueulasse, quoi. C'est... Oh, j'aime pas en plus ce genre de créature hein, marine, là, ça me... On dirait un goût à houle de le machin, quoi. Hop. J'ai essayé de lui prendre. Ouais, donc comme je vous disais, moi ça me faisait beaucoup penser à Spore. Au début de Spore, quand on crée sa bactérie qu'on fait évoluer au fur et à mesure. Et enfin sa bactérie, sa cellule, hein, je crois. Et que justement celle-ci évolue. Et après comment ça s'appelle ? Le zoom s'intensifie pour dire qu'en somme, en sorte on grandit. Et qu'au final, ben, on devient de plus en plus gros et on bouffe les petites créatures. Et ce qui paraissait gigantesque, ben, au final, devient tout petit à bouffer. Et c'est pas mal. Là, c'est un petit peu le même principe, quoi. Et c'est bien, puisqu'au départ, on a vraiment une créature bidon, quoi. Elle est vraiment toute petite. Donc voilà, rien de plus, rien de moins. Je pense qu'on va se quitter là-dessus, parce que bon, y a rien de plus à dire. Et donc, voilà. Donc, c'était Sparkle 2 Evo. Un petit jeu que je vous conseille forcément et qui coûte pas très cher en plus. Voilà, ça il faut le savoir aussi. Il a moins de 5€ ou... Ouais, 2€ je crois ou 5€. Non, un peu moins de 5€, je suis certain. Et donc voilà. Donc sur ce, je vous laisse. On se retrouve la prochaine fois pour une prochaine vidéo. Et salut à tous, ciao, à la prochaine.